Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire le test de Serious Sam Siberian Mayhem sur Xbox Series X. C'est parti, on va montrer ça. Alors on peut jouer à un joueur en coop. Il y a campagne, suivi. Alors on va faire le mode campagne. Voilà, Siberian, on va aller comme un. On va voir comment elle est la map. Alors on va mettre un touriste. Alors pour ceux qui connaissent quand même les Serious Sam, c'est assez connu, c'est un jeu à la FPS, vu la première et la troisième personne aussi. C'est un jeu pas mal cool, ça c'est sympa, c'est dans l'humour. C'est un jeu qui était sorti assez souvent sur toutes les consoles à l'époque aussi. Vraiment pas mal. Avec toujours le même personnage. Avec Sam. C'est un jeu un peu mélange entre Quake et Doom, un peu le style. Jouabilité aussi, un peu la Far Cry aussi. Vous allez voir. Oh, c'est cool. Alors, un peu comment il faut faire, les amis, parce que là ça fait un petit manque, je sais pas où jouer, je suis comme ça. Oula, la visée, trop rapide. Alors on a vu à l'FPS, à la première personne ou à la troisième personne. On changera après. C'est quoi ça là-bas? C'est un monstre. Ah ouais. En principe il y a des créatures ou des monstres. Ah ouais, c'est pas une petite créature. En principe il y en a un paquet après qui arrive. Oula. Ouais. Graphiquement c'est assez simple. C'est pas un jeu extraordinaire, un next-gen comme on peut dire. Il est quand même pas mal, c'est fun. Par contre il est gratuit, c'est sur les Game Pass. Je vous le dis, si vous avez les Game Pass, il est gratuit. Oula, il y a une vague là, qui arrive. Alors, si vous le mettez en difficile, c'est très très dur. Allez, on va essayer d'avancer. Ouais, il y a quand même certains petits détails sympas. J'avais testé le Serious Sam 4 qui était pas mal. Je crois qu'il est tiré même de cette version, on dirait. Il y a une sorte de petite DLC même. Il y a qui m'attaque en haut là. Je sais pas si je l'ai vu. Alors en principe on a des fusils à pompe ou des fusils de chasse si je me rappelle. Ce qui est bien fait dans le jeu c'est tout ce qui est créature. Hein. Enfin, c'est rapide et tout. Une sorte d'alien là. Avec le Desert Eagle. Si je me rappelle il y a des armes un petit peu loufoques. Ça c'est de la vis, pas besoin que j'en prenne, santé pleine. Allez, on va voir ce qu'il y a là-bas. Oula, il est rapide lui. Oh putain. J'ai le fusil à pompe. J'avais pas le toucher tellement ce qu'il est rapide. Ah, il y a un petit succès. Chien et quoi. Une grenouille, n'importe quoi. On prend les gilets. Oh, il est tellement rapide que... Oh la vache. Oh putain, je suis tombé dans la flotte. Ouais. Faut que je me refasse la main un petit peu. Ça revient petit à petit. Et si vous cherchez un jeu de tir complètement loufoque, c'est ça qu'il faut prendre. Ouh, il m'a envoyé une grenade. Alors, j'ai le fusil à pompe les gars. Ça va pas être pareil là. Alors on va changer la vue, on va voir. Hop, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout. Voilà, les atouts, on va monter les armes, tout. Alors.
parce que il a un t-shirt le mec en Sibérie. Ah, ça va beaucoup mieux là, avec la visée comme ça. Voilà, je suis trouvé les gars. Un petit peu réglé. Avec le fusil à pompe en plus. Parce que c'est vrai que les paramètres, la sensibilité est un peu, ça va un petit peu vite. À la base, je me rappelle, je crois que c'est un jeu PC à la base, ça. Tiré d'un jeu PC. Alors, on va voir si elle l'a vu. Ah, moi j'ai mis un plus facile, un touriste, pour montrer un petit peu les détails et tout. Par contre, ce qui est bizarre, c'est... Ah si, je crois que j'ai vu un mode en coopération à deux. Ouais, je crois qu'on peut jouer à deux. Il y a aussi le mode vague aussi. Survie. Oula. Il est un peu galère. J'arrive pas à l'avoir là. C'est ouf. Allez, j'ai réussi. Pour l'instant c'est les petites vagues, mais à mon avis après ça va aller de plus en plus vite. Vous allez voir. On dit en principe si je veux comme ça au début c'est hyper calme encore. Et après ça va aller avec des vagues. De monstres en tout. Je dois aller où? On reconnaît le petit logo avec la bombe. La radio elle est foutue. Damn thing's busted. Is that an SOS in your tower? Or are you just happy to see me? Ah, il doit I guess I better find whoever that is. Voir. Before something big and nasty gets there first. Il appelait ça lui des vilains monstres. Alors il y a plein de trucs. Pensez à prendre beaucoup la vie, les balles et tout, parce qu'après vous allez voir. C'est des vagues qui vont arriver. Ça c'est une protection, dommage on peut pas le prendre. Comme je vous dis, les décors sont un peu fades, mais ce qui est bien, c'est tout ce qui est monstre, tout. Avec les vagues, tout, avec tous les personnages qui arrivent. Ça, c'est fun. Pas le jeu du siècle, mais les Sam, en principe, ça a toujours été fun. Ça a jamais cherché à faire des trucs de ouf, un jeu de tir. Le petit saut qui va avec. Le petit côté aussi à la GTA, le personnage. Allez, on va essayer d'aller à la base, il m'a dit d'aller à la tour là. Alors comment on monte? Ah ouais, le stick. Allez, c'est parti. Où c'est qu'ils sont les créatures? Elles sont où les bébêtes? Hein? Nouvelle arme? Non, armure. Ah tiens, je prends un lance-grenade. Ah, j'ai un lance-grenade, d'accord. Ah ouais, je peux mettre un lance-grenade, vous voyez les monstres, le personnage Sam. Les atouts, j'ai pas gagné encore. Point de compétence disponible. Ah, j'ai aucun point de compétence pour l'instant. Ah ouais, d'accord. Oula, coucou le monde, viens. Oula, des créatures partout là. Putain. On va foncer dans le feu. Alors j'ai oublié quand même, il est assez sympa, moi j'aime bien. Les vibrations et tout. Vous savez que moi je suis un peu dur sur ça. J'aime bien quand ça bouge bien. Ah la manette hein. Ça va, c'est cool. Oula, c'est quoi ça? Il y a des lasers là, ça va? Ouais, il y a partout là. Oui, il y a les autres Tariq qui arrivent là, les prisonniers. Il y a un zombie. Oh, putain. Putain, il y en a partout. Oh, putain. J'aime bien le fusil à pompe.
avancer. C'est en haut ou en bas? Non, c'est en bas, c'est par là. Par contre, il n'y a pas de petite carte, ça, ça. Je sais pas où c'est qu'on doit aller, des fois. Ils sont combien là-bas? D'accord, l'autre avec son marteau. Oula! Il y aura une armure, on dirait. J'arrive pas à le toucher. Allez, à dégager. On se peut-être. Alors, ça s'ouvre pas. À mon avis, ça va être à gauche. Allez, on va monter par là, on va aller voir. Putain, il est vaqué. Laissez-moi passer. C'est en haut. Oula, c'est quoi ça? Il y a des zombies et tout. Oula, ça va être par là, je pense. Les kamikazes. Allez, encore, ils sont repartis. Je sais pas combien ils sont là-dedans, mais ils sont un peu gays. On va prendre les balles, on va essayer de prendre les balles sur tout. Peut-être d'aliens. C'est bon passé. Ah, je fais un live peut-être. Ouais, je fais un live. Avec ce jeu. C'est quand même fun. Je le ferai peut-être dans la semaine, les amis. C'est pour vous montrer encore plus hein, en détail. Par contre, le seul truc qui est dommage, c'est qu'on peut pas récupérer les armes hein, sur le personnage. J'aurais bien vu ça parce que là, ils ont des petits lasers. Je pense qu'on doit l'avoir plus tard. Allez, voilà, on va voir là-bas. Oula, tout ce qui arrive là-bas. Oula, oula. C'est par là. Oh le bordel. Ah, un nouveau fusil. Fusil de chasse. On dirait vraiment Doom. Il y a un bug, le type bug. Qu'est-ce que ce bordel? On les met là. On essaie de pas crever, hein. Ouais, à partout. Ce bordel. Ouais, on s'est passé, il y a plus que l'autre là avec son bouclier. Eh putain, il y a un sacré paquet là. Et alors, par où je dois passer là? À mon avis, ça va être par là. Ah, il m'a montré le côté. Il y a deux chemins bizarres. Ah, c'est par là. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas trop perdu quand même. Ah, c'est bon, l'armure 50.
Ah, c'est quoi ce truc? Il m'a bien touché tout à l'heure là. Ouh, y'a plein de trucs là. Allez, on récupère tout ce qu'on peut prendre. Alors, je dois faire quoi là? Ça y est, j'ai ouvert. Objectif principal. Ouais. Ouh, j'ai ouvert des portes là, on dirait. A mon avis, il va y avoir des créatures là. Qui dit qu'il y a beaucoup de balles? Qui dit qu'il y a beaucoup de monstres? Oh la vache. Il y en a partout. On va se débarrasser tout seul. Ça vient que j'ai mitrailleuse quand même un jour. Allez. À dégager. C'est là-bas. Oula. Oh putain, alors ceux-là ils sont cassés. Ah, il y a des squelettes taureaux là. Oula. Limite. On a de la vie. Oh, c'est un paquet. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a pas de grenade. Qu'est-ce qu'il y a là? Allez, allez, allez. Allez, chercher la vie surtout. Hop, des balles. Casse le fusil. Allez, il est même mieux que le fusil à pompe. Pourtant c'est un fusil à deux coups, c'est bien, ouais. Et plus efficace. Allez, allez. On sait. On va avoir du monstre. L'armure, hein. Mais je la prends encore celle-là. Ouais. Ouais, c'est passé. Oula. Où ils arrivent là? Oh là là, il y a une meute entière là. Putain le bordel. Putain c'est où là? Il y a une boucherie là. Alors c'est, ça doit être par là. Ça, c'est à l'intérieur on dirait. Il doit y avoir un sous-sol ou un ascenseur. Ça. C'est pas là. Ah, ça doit être par là. Ah oui, c'est par là. Si vous voyez les monstres, c'est que c'est par là. Ou les aliens, je sais pas ce que c'est. Là, je pense plus de bol là. Il y a un paquet là. À pompe. Ah, j'ai plus de balles.
Ah si, ça peut nous indiquer le... J'ai trouvé les amis. Pour le chemin. En fin de compte, c'est la flèche qui indique. D'accord. Ah, j'avais pas compris ça. Si vous êtes perdu, en fin de compte, vous cliquez sur le stick et en fin de compte, il vous met la flèche. Ah ça, c'est bien bon. J'ai un scorpion avec une flèche. À passer, c'était chaud, mais alors on a réussi. Ascenseur, ah, il est pas mal, hein. Sympa. Alors, on fait un petit côté à le Terminator. Il a le personnage. Hop, allez, on va prendre la caisse. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un petit paquet d'armes. D'accord, il a fait un P. C'est vos trucs. Alors, ça, l'équipement ennemi, le couteau, Desert Eagle, fusil à pompe. Ouais. Ah, d'accord, il y a un truc là-bas. Il y a une arme. Yes, une nouvelle arme, les gars. Une truse. Yes, et la calache. Ça me fait moins les malins, hein. D'accord, il y a une tarée qui gueule. Allez hop. Putain, il y a partout. Ah, je suis mort, les gars. Ah, je suis mort en tombant en arrière. Oh putain, allez. Je vais vous montrer l'autre mode là. Le mode survie. Ah oui, il y a le mode campagne et mode survie. Alors, mode survie, il y a plusieurs maps. On va prendre laquelle, les amis? On va prendre celui-là avec le char, je pense. Il y a le château. Ouais, mode survie, ça, il va falloir durer le plus longtemps possible. Essayer de faire un petit chrono. Alors, comment ça se passait la map là? Tant que ça charge, après, si vous aurez les... ouais. Ah ouais, on est dans un char, d'accord. Ah ouais, d'accord. C'est pas du Battlefield, mais presque ça. Il est bien joué par contre. D'accord. Ah, il y a plein de vagues qui arrivent, d'accord. Le bordel. Allez, on les écrase en même temps. Allez, d'accord, on va faire des points. Je sais pas comment on met la ville là-dedans, un autre level. C'est limité ou quoi? Je crois pas. Écraser les ronds là. Il y a des vagues partout. Oh merde, j'ai oublié. Alors, bosse partout là. Oh, il y a des kamikazes qui arrivent. Ah, je crois que c'est ça qu'il faut prendre. On met de la vie. Ouais, c'est ça. La santé au char. Oh putain, il y a des vagues kamikazes. C'est vilain pour tout court. Ah ouais, je la garde. C'est pas mal fait quand même. C'est sûr. C'est ce bordel. D'accord. Indépendance de le truc. Avec le nord. Tire sur tout ce qui bouge. Regardez. Oh, c'est bordel. Ah, super, il y a bon, le laser aussi. Oula, le chien il commence à... il va exploser. Eh mais c'était super dur, les gars. J'ai duré comme une
2 minutes. Bon. C'est pas mal quand même. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, sur ce coup moi je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Vraiment sympa comme jeu. Toujours pas mal quand même. Sérieux Sam. Allez, sur ce coup moi je vous dis à plus. Pensez à me laisser un petit like. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Mille France 27. A plus pour d'autres jeux. Ciao.